Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut tout le monde, Doc Mayer vous présente le 31 timbre le plus précieux du Danemark, le timbre journal orange. Il date de 1914 avec une valeur nominale de 38 or. C'est un timbre journal, il vaut 2000 euros. Les violets carmin, emblème royal. Doté d'arrière-plan, il est de 1854, titré à 16 skillings, son prix 2500 euros. L'emblème royal, nouveau motif. Il existe sous deux formes, le modèle avec perforation 12,5 qui vaut 2500 euros et celui de la perforation 13 sur 12,5 qui est coté à 1200 euros. Tous les deux sont jaune-brun avec une valeur faciale de 8 skillings. Ce sont deux pièces imprimées en 1870. L'emblème royal, nouveau motif de 16 skillings. Ici aussi nous avons deux types. Le modèle avec perforation 12,5 qui est olive grisâtre et qui vaut 2500 euros. Et le deuxième type avec une perforation 13 sur 12,5 ayant la couleur olive notée à 2000 euros. Tous ces deux modèles datent de 1870. L'emblème royal avec empreinte racine moins visible. C'est un timbre brun rougeâtre avec une valeur faciale de 4 ribanks skilling. Il vaut 3000 euros. Il est de 1852. L'emblème royal avec empreinte racine moins visible, brun noir. Il est aussi de 1853, vendu pour 3000 euros aussi et ayant une valeur faciale de 4 ribanks of skilling. L'emblème royal avec empreinte légèrement visible, brun. C'est un timbre de 1854 qui vaut 3500 euros. L'emblème royal, avec empreinte légèrement visible, brun jaunâtre. Il est de la même année que le timbre précédent, 1854, avec la même faciale, 4 ribanks skilling. Il a aussi le même prix, 3500 euros. L'emblème royal, orange clair, avec empreinte racine brun rougeâtre. Il est de 1853, titré à 4 ribanks skilling. Il vaut 4000 euros. L'emblème royal, avec empreinte racine brun chocolat. Il a été produit en 1851 avec une valeur nominale de 4 ribanks skilling. C'est une pièce vendue 4000 euros. L'emblème royal avec empreinte racine légèrement visible brun grisâtre. Il est de 1854, titré à 4 ribanks skilling. Il est estimé à 4000 euros. L'emblème royal avec ligne ondulée en arrière-plan. Il a une valeur faciale de 8 skilling. Il est vert et vaut 4000 euros. L'emblème royal avec empreinte racine légèrement visible brun olive. Datant de 1854, ce timbre de 4 ribanks skilling est vendu pour 6000 euros. L'emblème royal avec empreinte racine légèrement visible brun châtaigne. Il a été édité en 1854 avec une valeur nominale de 4 ribanks skilling. Il est estimé à 10000 euros. Le timbre inversé de 4 sur 8 or. C'est un timbre imprimé en 1912. Il est fauté. Son cadre est inversé. Il a une valeur faciale de 8 or avec une surcharge de 4 or. Une pièce très rare. À ce jour, 20 copies utilisées et une feuille inutilisée sont répertoriées. L'exemplaire non utilisé est vendu pour 25 000 euros alors que la feuille utilisée est estimée à 10 000 euros. L'emblème royal avec nouveau motif des 2 skillings. Il en existe deux formes, le type vert grisâtre sur bleu de Prusse ayant une perforation 14 sur 13,5 et un prix de 1200 euros. Et le deuxième type qui est vert bleuâtre sur ultramarin foncé possédant une perforation 12,5 et qui est estimé à 10 000 euros. L'emblème royal avec empreinte racine des couleurs bleu foncé. Il date de 1851 et est vendu pour 12 000 euros. L'emblème royal doté des coins. Il est rose pourpre avec une valeur nominale de 16 skillings. Il a été produit en 1863. Son prix, 17 000 euros. L'emblème royal avec empreinte racine légèrement visible brun noir. Il a été réalisé en 1854 avec une valeur nominale de 4 ribanks skillings. Il est estimé à 20 000 euros. L'emblème royal des 3 centimes. Il en existe trois types, le carmin foncé et les bruns carmins qui sont vendus individuellement pour 700 euros et les carmins estimés à 20 000 euros. Tous les trois ont été imprimés en 1856. L'emblème royal avec empreinte racine bleu de Prusse.
C'est une pièce très rare, datant de 1851. L'exemplaire le plus centré est estimé à 25 000 euros et 17 000 pour une pièce légèrement décentrée. La paire de deux timbres des deux Ribbanks Skilling de 1852. Seules deux copies sont connues. C'est une grande rareté numismatique danoise, vendue en 2008 pour 70 000 euros pièce, est estimée aujourd'hui à 150 000 euros. Les blocs de quatre timbres des deux Ribbanks Skilling. Ici aussi, seules deux copies sont recensées. C'est l'article philatélique le plus précieux du Danemark. L'un de ces deux exemplaires a été vendu en 2011 pour 220 000 euros. Aujourd'hui, l'exemplaire est estimé à 350 000 euros. Merci. N'oubliez pas de partager. À demain pour une prochaine vidéo.